Stromae refuse une photo à une enfant, son père se venge sur Facebook. L'image de Stromae était parfaite jusqu'à présent, voilà une histoire qui risque de tout chambouler. Le chanteur belge était présent dans un restaurant avec des amis, tenu par le père de l'une de ses plus ferventes fans, âgée de 10 ans. Pour cette petite Lola, pas question d'aller au lit sans obtenir ne serait-ce qu'une photo avec son idole. Alors qu'il a pour habitude de renvoyer une image très sympathique, Stromae a visiblement toujours du mal à se faire à son statut de star et aux conséquences qui en suivent. Agacé par la volonté de Lola, il lui a clairement indiqué qu'il ne voulait pas de photos. Déception immense pour la petite fille, mais peut-être moins forte que celle de son père qui a vivement attaqué le chanteur sur Facebook via un statut. Cette fois, c'était la dernière, tu peux croire que c'est une crise. Regarde bien mon beau poster, il est au fond de ma remise. Je te trouvais extraordinaire, moi qui t'idéalise, un autre chanteur fera l'affaire. Je ne viendrai plus t'applaudir. Je suis une petite fille de 10 ans à peine et mon papa a un restaurant. Quelle ne fut pas ma joie lorsqu'il m'a dit que tu mangeais chez lui. Je suis arrivée le plus vite que j'ai pu, rien que pour t'apercevoir. Papa m'a expliqué que tu mangeais avec tes amis et ta famille et qu'il ne fallait pas te déranger. Alors j'ai attendu que tu finisses patiemment jusqu'à 1h30 du matin. Je suis restée à côté de la porte de sortie en espérant chaque seconde te voir arriver. Et enfin te voilà. La première chose que tu m'as dite en arrivant c'est « Pas de photo ! » Je t'ai laissé payer ton addition et ça a encore duré très longtemps car vous étiez 8 et chacun payait sa part. Je laissais papa faire les comptes. Pour moi, tu étais là devant moi. Cela me suffisait. C'était un rêve. Mais hélas, tu l'as brisé lorsque tu es parti. J'ai voulu te dire au revoir. Le restaurant était vide, il n'y avait plus que nous, et mon monde magique s'est effondré quand tu m'as lancé. Tu ne m'as pas compris? Je t'ai dit pas de photo. Je voulais juste un petit sourire de ta part. Je n'ai pas demandé à découvrir la face cachée de la lune. Tu fais danser des millions de personnes par ton très grand talent, mais là, tu m'as fait pleurer. J'ai arraché ton poster de mon mur et tu ne seras plus le premier que je vois en me levant le matin. Tu ne le mérites pas. En fait, je crois que c'est toi qui as raison. Tous les mêmes. A écrit le père de Lola en parodiant le fameux tube de Stromae. Un premier accro pour celui qui avait enchanté tout le monde l'été dernier avec son deuxième album, qui a rencontré un franc succès, tant d'un point de vue commercial qu'au niveau des critiques des spécialistes.